Voilà, tous prêts. Voilà, c'est le départ. Bon départ pour Captain Thriller, qui est ce joueur qui est sorti un peu de travers, mais qui est toujours en tête pour l'instant. Captain Thriller à son extérieur. Fidelis qui va mettre la pression à l'extérieur. Puis nous avons Tiger. Puis suit le cheval Wolf on the Fold, suivi de Rich Too Far. Et en dernière position, il s'agit de Not Label et Robbie Buck, décroché complètement à quatre longueurs. En tête de la course, Captain Thriller. Fidelis à son extérieur, toujours Captain Thriller, bien en main par Johnny Giroudis. Et Fidelis qui va partir en tête maintenant, compte une longueur d'avance sur Captain Thriller. Casey's War toujours en troisième position. À l'extérieur de Casey's War, nous avons Tiger, puis suit Wolf on the Fall. Juste derrière lui, il y a Rich Too Far et Not Label en dernière position. Les chevaux n'ont plus que 700 mètres environ à parcourir. Toujours Fidelis, la doublure de l'écurie Gageda aux commandes. Captain Thriller en deuxième position. Tiger à l'extérieur de Casey's War, le grand favori. À deux longueurs de Casey's War, nous avons Wolf on the Fall. Il y a aussi Rich Too Far qui déboîte actuellement. Et en dernière position se trouve le cheval de Robbie Buck, Not Label. Plus que 350 mètres à courir en tête de la course. Eh bien, c'est Captain Thriller qui est passé à l'attaque. C'est aussi à l'extérieur Rich Too Far. Il y a aussi Casey's War qui va passer maintenant à l'extérieur. Captain Thriller toujours en tête. Captain Thriller et Casey's War. Captain Thriller toujours en tête. Casey's War, Rich Too Far à l'extérieur. Rich Too Far à l'extérieur. Mais Casey's War à l'avantage. Rich Too Far à l'extérieur. Rich Too Far au Casey's War. Casey's War. Ouh, Rich Too Far.